Est-ce que vous connaissez le jeu Star Fox 2? Eh bien, il est sorti tout récemment avec l'arrivée de la Super NES Mini le 29 septembre 2007. Mais pourquoi sort-il maintenant? Ça n'a aucun sens. Bah, je vais vous expliquer. Star Fox 2 devait être à l'origine le second opus de la licence Star Fox et faire suite au premier jeu de la série, d'où le 2 dans le titre du jeu. Bref, Star Fox 2 devait sortir en 1996 sur la Super NES. Mais il y a eu un problème, un tout petit. Et c'est la concurrence. Sony, Sega, ça vous dit un truc? Nintendo doit réagir pour ne pas se faire écraser par ses concurrents, c'est-à-dire annuler la sortie de Star Fox 2 afin de se concentrer sur son projet de console, Project Reality ou Ultra 64. Vous l'avez bien compris, je parle de la Nintendo 64, qui sortira en 1996. Un an après, sortira le nouveau deuxième Star Fox, à savoir Star Fox 64, connu en Europe sous le nom de Lilith Wars. Star Fox 2 sera donc envoyé aux oubliettes. Mais en 2017, le jeu ressurgit des abysses puisqu'il fait partie de la sélection de jeux de la Super NES Mini permettant aux anciens et aux nouveaux joueurs de découvrir le véritable deuxième Star Fox.